Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un petit peu les produits, que j'ai reçus de la part de Miss Coquelicot. Donc, je te fais un gros bisou, Nathalie, pour ces petits produits. C'est très, très, très gentil de me les avoir offerts. Je lui avais demandé, en fait, je sais qu'elle achetait beaucoup de soins pour le visage. Je savais qu'elle elle m'en avait parlé plusieurs fois. Elle achète des produits coréens et j'ai jamais testé et j'avais envie de tester, de voir un petit peu ce que ça donnait parce que beaucoup de personnes, beaucoup de youtubeuses en parlent et donc je me suis dit pourquoi pas. J'étais un petit peu réticente, j'avais peur, peur qu'au niveau des coûts, des ingrédients, ce soit pas top. Et bon, mais j'ai dit quand même, je vais essayer. Donc, elle a été vraiment très gentille. Elle m'a offert plusieurs produits. Donc, avec un petit message. Elle m'a aussi offert... Ah, attendez, bougez pas. Voilà, donc elle m'a aussi offert... T'es adorable, hein, t'étais pas obligée. Un très joli vernis à ongles de la marque Ciaté qui se présente comme ça. Un petit rose flashy. Et alors, la teinte, c'est la teinte 101. 101. Donc d'abord le packaging, moi j'adore les petits vernis de chez Ciaté, ils sont magnifiques. Et elle m'a offert aussi un petit gloss pour les lèvres. C'est de la marque Rimmel que j'ai jamais testé. Show off. Alors est-ce que j'ai une 300 à la teinte Galaxy? Voilà. Donc il est très joli, je l'avais déjà, je m'en suis servi déjà. Il est très très beau. Il est bien pigmenté. Et voilà, il est... Oh, je me fais manger par les mouches. Voilà, donc il est très joli. Donc je te fais un gros bisou et je te remercie. Il y a encore un petit violet qui est très 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 beau. Voilà. Donc, alors, elle m'a proposé donc de tester ces petits patchs. Alors, je vais vous montrer un petit peu les patchs qu'elle m'a envoyés. Alors, j'en ai déjà ouvert un. J'ai déjà testé des masques pour les contours de l'œil et un masque pour le visage. Donc là, pour le contour de l'œil, c'est un antioxydant régénérateur pour le contour des yeux, donc qui se présente comme ça. Et dedans, il y avait 6 patchs. Donc 3 pour chaque œil. Donc c'était très agréable. Il faut les laisser 10 minutes au 10 minutes. Sur le contour de l'œil. Moi, je mets tous mes masques au frigo. Je trouve que c'est plus agréable le matin quand on pose quelque chose de très frais, ça décongestionne bien le contour de l'œil. Donc, et puis j'en fais tous les matins. Moi, j'adore tous les matins. Je me fais un petit masque. Oh, c'est un pur bonheur. Je commence tout de suite avec ça le matin. Voilà, j'ai beaucoup aimé celui-là. Et un autre que j'ai testé. C'est celui à l'Aloe Collagène Essence Masque de la marque Dermal. Ça se présente comme ça. Voilà. Et ce qui est bien dans ces masques, c'est qu'ils sont vraiment très imbibés de sérum. Contrairement à certains masques que j'ai pu acheter, ils ont vraiment beaucoup de sérum à l'intérieur. Donc c'est super, super agréable. Et celui-là, par contre, c'était à laisser poser. Attendez, il faut que je me serve de mes lunettes. C'était à laisser poser. Je crois que c'était... Alors, il me semble que c'était à laisser poser 20 minutes, je crois, mais je suis pas sûre. Oui, 20 minutes, entre 15 et 20 minutes, voilà. Alors, j'ai quand même voulu aller sur Internet pour regarder les composants, pour voir un petit peu si c'était pire ou mieux que ce qu'on peut vendre dans les magasins en France. Et en fait, sur celui-là, j'ai regardé un petit peu, il y a forcément des petits... il y a forcément des conservateurs, mais j'ai regardé sur Internet, c'est des conservateurs qu'ils utilisent aussi en France, dans des produits français. Dans tous les produits qu'on trouve en grande surface, enfin qu'on trouve en parfumerie, il y a forcément des conservateurs. Donc là, il y a de la glycérine végétale, il y a du butylène, il y a de l'aloe vera, il y a des extraits de feuilles d'olive, du collagène, il y a du Portulaca oleraceae. J'ai regardé sur internet, c'est une plante médicinale qui est riche en oméga 3. Il y a de la bêta-glucane, puissant stimulant pour le système immunitaire. Donc, il y a des extraits de levure de bière.
Il y a de la vitamine E antioxydant, donc c'est du tocophéryl, c'est pas facile à lire, du polysorbate 80, c'est un dérivé d'huile d'olive. Il y a du sodium EDTA, c'est un sodium, c'est du sodium. Il y a de la gomme xanthan qui sert à séparer en fait les ingrédients. Donc il y a plein de choses, enfin il y a des conservateurs. Donc il y a des conservateurs, mais je veux dire, rien de moins bien que ce qu'il y a dans nos produits, genre les masques qu'il y a chez Sephora. Donc moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai posé au frigo, je l'ai posé sur mon visage, j'étais bien après le sérum, ça retend bien en fait, ça lift bien la peau, ça retend bien la peau, j'aime beaucoup cet effet, donc c'est agréable même à utiliser le matin, tout le sérum pénètre bien dans la peau, donc c'était super 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 agréable, donc j'ai bien aimé ces produits. Voilà, donc je... Ensuite, elle m'a laissé un petit mot. Donc elle me fait tester aussi d'autres produits. Alors, alors je vais vous montrer les produits qu'elle m'a offert. Donc le H, toujours un masque avec un masque à hyaluronique, acide, l'acide hyaluronique, donc H, qui se présente comme ça. Lift V-Line Patch, donc ça c'est pour le bas du visage, regardez, voilà. Et alors là par contre c'est tout écrit, l'autre était quand même écrit en français, là c'est vraiment écrit en coréen, donc je peux pas les autres, il y avait quand même la traduction en anglais, donc on peut à peu près comprendre. Celui-là, donc c'est un masque pour tout le visage, voilà, à la grenade, voilà, donc elle essaie d'autres, oui, 20 minutes, entre 15 et 20 minutes, voilà, et sur, elle m'a offert aussi, alors, je termine avec les masques du site, Natural Olea Mask, donc pour le visage aussi, pour tout le visage aussi, donc il se présente comme ça. Voilà. Voilà. Donc écoutez, pour l'instant, j'en suis très contente. Je suis en train d'en tester d'autres pour les yeux. Là, qu'elle m'a offert aussi. J'ai oublié de l'emmener d'ailleurs chez les Sofrigo. Et ils sont très agréables. Je m'en suis servi ce matin. Écoutez, c'est du bonheur. Moi, j'aime bien tous les matins, avant de me maquiller, me poser des petits patchs sur le contour de l'œil. Ça fait du bien, ça réhydrate. C'est très agréable. Et elle m'a aussi offert de la marque Montagne Jeunesse, donc un masque spa bout de la mer morte. Donc pareil, donc qui se présente comme ça. Et ceux-là, je les ai vus sur la chaîne de, Hélène LC. Donc qui les aime bien. Et j'ai vu qu'elle les achetait chez Kers. Voilà. Donc moi je vais essayer celui-là parce que moi j'aime bien les masques à la boue de la mer morte. Donc celui-là je vais le tester ce soir avec plaisir. Et puis un autre, noix de coco crémeux. Voilà. Donc celui-là vous pouvez le trouver chez Kers sans problème. Moi j'en ai vu en plus la semaine dernière. Voilà. Donc voilà, je suis très contente. Je te remercie encore Nathalie pour ce cadeau, c'est très 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 gentil. Et ces masques, elle les achète, je vous mettrai le lien de la vidéo de la chaîne de Miss Coquelicot. Et je vous mettrai aussi le lien de l'endroit. Alors ça s'appelle le site s'appelle Rose Rose Shop. C'est un site je crois que c'est un site coréen. Mais vous pouvez payer en, vous pouvez commander en dollars, donc moi j'ai commandé en dollars et moi j'ai pas trouvé, j'ai dû payer en PayPal, voilà, c'est vraiment pas cher du tout, franchement je me suis commandé une soixantaine de masques et j'en ai eu pour 40 dollars, donc c'est vous dire. Donc j'attends, apparemment il faut entre 2 et 3 semaines de délai pour pouvoir avoir les produits, et bon,
Moi, si je peux, c'est vrai que pour l'instant, j'en suis vraiment très 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 contente. Il y a énormément de produits sur ce site. Il faut chercher, il faut fouiner. Voilà, ils sont à 30 centimes de dollars. Il y en a à 70 centimes de dollars. Vraiment par rapport à ceux de chez Sephora qui coûtent 4 euros ou 4 euros 50, je ne me rappelle plus. C'est vrai que ça vaut le coup. Et c'est vrai qu'il y a... Ils sont vraiment. Celui-là, il y a trois masques dedans. Et ils sont bien imbibés et ils sont vraiment super, super agréables. Voilà, donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de ce site, hein, Rose Rose Shop. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, si vous avez envie d'y aller, et de vous faire plaisir. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort et puis profitez du soleil. Au revoir.